Yo tout le monde, c'est Sepa45, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3 pour vous présenter notre serveur de la Team Aze que nous avons acheté dernièrement. Donc avant toute chose, je vais vous expliquer un peu comment se passe le serveur, quelles sont les règles, etc. Et puis en fin de vidéo, je vous présenterai les différentes rotations de map qu'on a mises en place. C'est-à-dire, on a mis une rotation spéciale Conquête, une rotation spéciale Rue, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous présenterai cela à la fin. Donc pour la petite anecdote, pourquoi est-ce qu'on a décidé, la Team Aze, de s'acheter un serveur? C'est tout simplement parce qu'on en avait marre de se faire bannir ou exclure par des administrateurs d'autres serveurs parce qu'on était trop bon. Et oui, j'essaye pas d'être prétentieux ou quoi, mais on arrivait pratiquement majoritairement la plupart du temps dans les premiers. Donc les administrateurs aimaient pas trop qu'on leur vole la vedette, donc du coup ils nous bannissaient ou ils nous excluaient. Donc c'était un peu chiant parce qu'on perdait nos points et puis on perdait notre temps, tout simplement. On en avait vraiment marre et c'est pour ça que j'ai décidé de demander à la Team A si c'était possible qu'on se voilà que chaque mois chacun paye de sa poche pour se louer un serveur. Donc là, au mois de juin à juillet, ça a été Neverrec qui s'en est chargé, anciennement boss du 45. Ce mois de juillet-ci, ça va être normalement Skakira et Will.i.am réunis, donc ils vont se mettre ça ensemble. Et le mois d'août, ça sera normalement moi, et puis après on changera Feridead, etc., etc. Bref, donc qu'est-ce que ça fait d'être administrateur d'un serveur? Déjà, vous pouvez gérer les équipes, c'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas moi, vous êtes 4 dans une équipe et puis qu'en face ils sont 7 ou 8, et ben vous pouvez équilibrer les équipes, c'est-à-dire changer des équipes de place d'équipe pour pouvoir que ça soit un peu plus loyal, j'ai envie de dire, et qu'il n'y ait pas du 3v8 ou du 4v9 ou un truc comme ça. Donc là c'est vraiment équilibré, ça sera du tel nombre fois tel nombre, enfin vs tel monde. Donc ça c'est vraiment super parce que des fois on se retrouvait dans des parties qu'on n'était pas admin, où on n'était plus que 3, puis en face ils étaient 12, enfin c'était vraiment la merde. Ça servait vraiment à rien. Ensuite, deuxième petite chose qui là je pense a fait beaucoup 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 plaisir à certains d'entre nous, c'est qu'on pouvait bannir des mecs et exclure des mecs. Attention, nous on les excluait pas parce que c'était trop bon. Justement, quand on voit que les mecs en face sont très bons, ça nous intéresse vraiment parce que la partie dure plus longtemps et donc on peut faire plus de kills. Là au passage j'ai fait un super pré-shot sur le mec au sniper, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Bref, donc ouais, nous on exclut et on bannit en fait les gens qui jouent pas fair play du tout. Par exemple dans nos règles c'est marqué no C4 et no RPG et no camp. Et quand on voit qu'il y a un gars qui joue RPG par exemple dans Close Quarter, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Battlefield, Close Quarter ce sont des maps où il n'y a aucun véhicule, donc c'est aucune utilité de jouer RPG, ces gars là on les exclut. Et puis si on voit qu'ils reviennent dans les parties puis qu'ils refont la même chose, on les bannit, c'est à dire qu'ils ne pourront plus jamais rejoindre notre serveur. Bref, pourquoi je vous fais cette vidéo présentation du serveur BF3, c'est surtout pour vous parler de vous, oui vous abonnés qui regardez cette vidéo, parce que vous allez être un peu les VIP. C'est-à-dire que les abonnés de moi, les abonnés de Sepa45, les abonnés de Neverrec, les abonnés de Feridead, etc. Eh ben, vous serez les VIP. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste à nous envoyer un message, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur le PSN, sur n'importe quoi. Vous nous envoyez un message pour nous dire que voilà, on aimerait bien jouer avec vous sur BF3, dans votre serveur et tout. Est-ce que ça serait possible? Et là, on vous ajoute sur le PSN et on vous met à la liste VIP de notre serveur. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre même qu'en fait quand le serveur est plein, et ben vous serez VIP, vous passerez avant tout le monde. Et on essaiera en plus de ça de récupérer vos Skype pour pouvoir tout simplement passer un très bon moment. Là regardez au passage, vous voyez, j'étais en train de regarder les équipes, il y avait pas beaucoup de mecs en face, donc j'ai décidé d'envoyer des mecs en face. Alors oui, je sais que c'est un peu dégueulasse pour ceux qui étaient dans mon équipe, mais c'est la règle de notre serveur, c'est être le plus loyal possible, le plus voilà, le plus fair play. Donc on essaie vraiment de pas trop qu'il y ait d'équipe désavantagée. Pour vous parler ensuite, comment dire, oui, donc vous pourrez rejoindre, vous pourrez jouer avec nous tout ce mois de juillet et tout ce mois d'août. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à laisser vos pseudos PSN pour ceux qui ont BF3. Ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille, alors bien sûr je vous oblige pas, je vous conseille vivement d'acheter Battlefield 3 pour ceux qui seraient intéressés à Battlefield 4, parce que si vous êtes jeté dans le grand bain dans Battlefield 4, je pense pas que vous allez vous en sortir, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc moi je vous conseille d'aller sur BF3, et puis en plus avec nous vous allez apprendre énormément de choses, parce que voilà, on n'est pas né de la dernière pluie, on a extrêmement
beaucoup de niveaux. Pour ma part, j'ai plus de 360 heures de jeu, donc c'est vraiment pas mal. Je suis avec le 80. Bon, alors où je vous parle, je suis avec le 89, donc le maximum c'est 100. Et on pourra vraiment vous apprendre à jouer, vous apprendre à les différentes petites techniques, etc. Donc n'ayez pas peur d'être nul sur BF3 ou quoi. C'est vraiment ce mois de juillet-là avec nous, vous pourrez vraiment apprendre à jouer. Et puis en plus, c'est vrai que durant ce mois de juillet, on pourrait pourquoi pas découvrir des gens qui nous ont marqués et qui pourront pourquoi pas nous intéresser pour un futur recrutement de notre team, parce que c'est ça en fait. Nous, on est en train de rechercher aussi des joueurs Battlefield. Bon, pratiquement toute la team, voire toute la team joue à Battlefield 3, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous les 6-7 réunis. Donc on cherche quelques membres pour jouer à Battlefield, et ça peut vraiment être sympa de jouer avec des abonnés et de découvrir des personnes qui sont fort intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur moment si vous voulez passer des bons moments avec nous. Je vous sortirai une vidéo présentation sur un autre événement qui va se passer durant ce mois de juillet. Donc je vous en dis pas plus. La seule petite particularité, c'est qu'on jouera en fait plus souvent l'après-midi des vacances et le soir à partir de minuit, parce qu'entre 21h et minuit on sera occupé. Bref, vous aurez une vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce que de 21h à minuit on sera occupé, je vous en dis pas plus. Donc voilà, bon, je vous ai pas encore présenté un peu la map sur laquelle j'étais, mais forcément je suis sur le serveur de la team. Là, au passage, j'ai eu vraiment peur, j'ai cru que le bâtiment allait s'écrouler. On est en ruée sur la map Grand Bazar. Donc il faut savoir que à 70% des cas, on joue sur Close Quarter, parce que voilà, c'est des petites maps, machin, machin, machin. En plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter, en fait, si vous voulez, tous les packs de map, parce que nous, on joue majoritairement sur Close Quarter. Si je me trompe pas, je crois que Close Quarter est maintenant gratuit sur plateforme PS3, Xbox et je crois même PC. Bon, nous on joue sur PS3, donc ça vous pose pas de problème. Donc sur PS3, c'est devenu gratuit Close Quarter, donc je trouve que c'est super avantageux. J'étais en train de leur mettre une de ces déculottées là. J'étais tout seul là dans la partie, j'étais pas accompagné d'un seul membre. Bon, il était assez tôt dans le matin, je crois qu'il était vers 10h-11h, donc forcément les grosses feignasses de la team Haze étaient encore en train de dormir. Bref, donc pour présenter aussi les différentes rotations de cartes qu'il va y avoir. Donc on a fait plusieurs. Là j'ai eu vraiment chaud là, regardez, là je vais vraiment avoir super chaud, regardez. Oh là là, je suis en train de me battre contre le mec là, un coup de cut et j'arrive à le tuer, j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance. Oui, donc pour vous parler des rotations de cartes, on a mis en place plusieurs rotations. On a mis de la ruée, donc dans la ruée on a mis des maps comme Grand Bazar, Traversée de la Seine, etc. On a mis pour nombre de joueurs maximum pour enfin minimum pour commencer 4. Donc c'est-à-dire que si on est 4 dans le serveur, la partie commence. Donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que dans les serveurs qu'on voit, bah c'est souvent du comment dire du 6-7 pour commencer, donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de mettre 4 joueurs minimum. Et puis en termes de tickets aussi, vous serez vraiment servi dans Close Quarter. On a mis énormément de tickets. Généralement les parties durent une demi-heure, donc on a vraiment de quoi se faire en termes de kills et en termes de points. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Bref, moi je vous dis à tout de suite pour la présentation vraiment en détail des maps et des modes que nous avons décidé de mettre dans notre serveur. À tout de suite, ne bougez pas. Nous voici enfin dans les paramètres du serveur. Donc vous pouvez voir que là il y avait personne comme joueur. Bon, il était je crois assez tard. Vous pouvez remarquer donc qu'on a mis les tiramis, non, enfin on a mis vraiment pour ça on a mis les règles de base, tout ce qui est santé on va mettre 100%, etc. Le nombre de manches 2, voilà, ça on a rien touché, ce sont les règles normales. Donc pour ce qui est de la configuration, donc là vous pouvez voir le message qui apparaît au début. Le message du serveur quand vous rentrez dans le serveur. Donc là on est dans les rotations de map. Donc là on a de la ruée. Donc les maps sont Grand Bazar, Traversée de la Seine, Pic de Damavant, Vallée de la Mort, Montagne d'Albors et Opération Métro. Bon, nous on joue généralement plus sur Opération Métro et sur Grand Bazar. Ensuite on a du Close Quarter. Donc là on a décidé de mettre les 4 maps. Donc Tour Ziba, Forteresse d'Ondia, Opération 925 et Ferraille. Et pour finir un petit maître d'armes dans Tour Ziba. Ça peut faire plaisir, ça peut décontracter. Ensuite on a mis de la conquête dans Opération Métro, Frontière Caspienne, Palais d'Azadi, Grand Bazar, Karg, Rivage et Autoroute de Téhéran. Donc là je crois que c'est du environ 250 tickets, donc c'est vraiment pas mal, on a quoi faire. Ensuite on a mis de la CDD, donc capteur de drapeau dans les 4 maps hein, qui sont présentes en capteur de drapeau. Ça c'est vraiment quand il n'y a pas d'abonnés. Et ensuite on a mis du Team Deathmatch dans Canon de nos chars, Pic de Namavant, Grand Bazar, Opération Métro, bref, avec du 500 tickets. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire également. Voilà, bah la vidéo
arrive à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié et que on a vraiment hâte de vous accueillir en fait dans notre serveur. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se taper des gros délires avec les abonnés et c'est vraiment un programme qui me tenait à cœur, jouer avec mes abonnés durant ce Summer 2013. J'espère que vous viendrez nombreux. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sur du Call of Duty pour vous annoncer un tout petit truc. Bref, je ne vous en dis pas plus. À la prochaine et à vos consoles.